الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Beaucoup de musulmans considèrent par fierté que, bien sûr, ils sont sur la religion vraie, et parce qu'ils sont sur la religion vraie, leur livre contient toutes les vérités. Et que le Coran n'a négligé aucune information concernant l'être humain, en prétextant que le Coran lui-même souligne que rien n'a été omis dans le livre. Ma farratna fil kitab mishay. En réalité, le livre dont il s'agit dans ce verset, ce n'est pas le Coran. C'est le tableau, la table protégée de l'Awh al-Mahfoud qui est dans le ciel, parce que ce passage, il est venu juste après la description de la multitude et la diversité des communautés animales et humaines. Mais « Midab batil fil ard » il n'y a pas de bêtes sur terre. « Wala ta'irin yatiru bi jinahihi » il n'y a pas d'oiseaux qui volent dans le ciel, si ce n'est que des communautés comme vous autres humains. Et puis de continuer « Ma farratna fil kitab min shay » on n'a rien omis dans le livre. Toute la connaissance de la création est déposée, pas dans le Coran, puisque dans le Coran, il n'y a pas le détail de la création. Le détail de la création est dans le savoir de Dieu, dont une partie est inscrite dans l'Ohl Mahfoud. Puisque le savoir de Dieu ne peut pas être contenu, même dans l'Ohl Mahfoud. Puisque Dieu lui-même, il écrit dans l'Ohl Mahfoud, il efface et il fait ce qu'il veut. Yamhullah, ma yasha, wa yuthbit. Le savoir de Dieu est plus immense que ce qui est écrit dans l'Ohl Mahfoud. Et ce qui est dans l'Ohl Mahfoud est plus immense que les révélations que Dieu a adressées aux prophètes, y compris le Coran. On ne peut pas limiter Dieu à un écrit. Le Coran indique mais ne dévoile jamais le mystère incommensurable de Dieu. D'ailleurs, le Coran s'intitule Wahy. Wahy, c'est faire un geste, une indication. C'est à l'homme de poursuivre la direction et le cheminement. L'ayah, c'est un signe. Donc Dieu procède par signe, il ne se révèle pas totalement. C'est pourquoi les savants, quand ils expliquent le Coran, à la fin, disent Dieu est le plus savant. C'est tout ce qu'on a compris, c'est ça. À ne pas mélanger la volonté de Dieu et la compréhension des humains. Parce que les savants, nos ancêtres, étaient avisés, ils savaient pertinemment qu'on ne peut pas contenir Dieu dans un livre. Ni son savoir, y compris le Coran. Si tout était dans le Coran, alors comment on comprendrait les paroles concernant Moïse ? Le Coran lui-même dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit à Moïse toutes choses. On a écrit dans les tables de Moïse toutes choses. Exhortation et comme explicitation des détails de toutes choses. Et donc si tout a été révélé à Moïse, à quoi ça servirait? Le Coran. Il ne faudrait jamais prendre toute chose, le tout dans le Coran, dans l'absolu. C'est un style du Coran à ne pas prendre en considération, à ne pas prendre dans le sens obvi, c'est-à-dire dans le sens littéral. Et si tout était dans le Coran, à quoi sert la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font l'apologie du Coran, seul le Coran est notre référence, disent-ils. Ils ne reconnaissent pas la Sunna. On les appelle les coranistes. Donc on a coupé le Coran de son explication, parce que la fonction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prolonger le Coran et de l'expliquer. Yatlu alayhim ayatihi, la fonction du prophète, c'est de transmettre le Coran, d'éduquer
les compagnons et de leur enseigner le livre et la sagesse. Donc le Coran ne se suffit pas à lui-même. Il nous renvoie à une deuxième référence qui s'appelle la Sunna. Mais attention, là aussi, il ne faut pas croire que tout est dans la Sunna. Puisqu'il y a le hikma, l'universel, il explique, il détaille le Coran, le prophète, mais il ouvre sur l'universel. Il y a beaucoup de hadiths du prophète qui confirment des paroles universelles sur la morale, sur la manière de gérer la cité, etc. Ce qu'on appelle sunan al-zawaid, les sunnas anormatifs. En réalité, le Coran, il explique toute chose dans le sens qu'il est ouvert sur d'autres modes de connaissance. Sanurihim ayatina, bien sûr, il y a dans le Coran l'ayat, mais il n'y a pas que dans le Coran. Sanurihim ayatina fil afaq, on va leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, afin de découvrir la vérité. Donc la vérité, elle est dans le Coran, mais elle est également dans l'universel et dans la raison humaine. Et donc le Coran, c'est la base de la connaissance parce qu'il renvoie à d'autres. Il nous donne la légitimité de chercher la vérité ailleurs également, par le biais de ce qu'on appelle l'ijtihad, l'effort intellectuel. Il est très courant chez les savants de reprendre cette parole attribuée à Abu Bakr et à Abdullah ibn Abbas, qui dit « Si je perds une ficelle, je la trouverai dans le Coran ». En vérité, ils veulent dire, si on a la capacité de comprendre le Coran, d'une manière ou d'une autre, on peut arriver à trouver une solution. Mais là aussi, il ne faut pas prendre ça dans l'absolu. Parce qu'Abu Bakr lui-même qui a dit cette citation, qui est l'auteur de cette citation, n'a pas trouvé de réponse à beaucoup de choses dans le Coran. Les salafs, parfois, on leur pose la question, ils disent, Allah, on ne sait pas. On n'a pas trouvé dans le Coran. On n'a pas trouvé dans la sunna et on n'a pas trouvé dans l'interprétation l'istinbat. Est-ce qu'on peut taxer l'islam d'incapacité? Non, l'islam n'a pas vocation à répondre à toutes les questions. Parce que les réalités humaines sont tellement imprévisibles, inattendues et multiples que c'est un risque de détailler les enseignements de l'islam. C'est imposer une seule règle à l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et par miséricorde, justement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dissuadé les musulmans de poser trop de questions. Ne posez pas trop de questions, dit le Coran. Car il se peut que vous aurez une réponse qui vous déplaît. C'est bien de poser des questions. Encore faut-il être prêt à la mettre en pratique. C'est pourquoi le Coran ne répond pas à toutes les questions. On lui pose la question sur la lune, ce phénomène astronomique, une question un peu de confort intellectuel. Comment se fait qu'il y a le croissant, puis la pleine lune, etc. Est-ce que le Coran peut nous expliquer ce phénomène? Le Coran n'a pas répondu. Il n'a pas les moyens scientifiques pour comprendre les éléments de l'astrophysique. Shatibi, il dit, Sharia Ummiya, la révélation, il a pris en considération la condition d'analphabétisme des Arabes. Ils n'avaient pas les connaissances des Romains et des Perses. Donc ils leur parlaient le langage qu'ils comprenaient. L'illettrisme de la charia, ce n'est pas une insulte, mais c'est une description d'une situation qui a été prise en considération par les réponses du Coran. Ils ne répondaient pas à tout, parce qu'ils n'avaient pas les moyens intellectuels pour comprendre le développement. Et le Coran de répondre, c'est fait pour le calcul liturgique, pour le hajj, voilà, l'utilité. Donc le Coran, il oriente vers ce qui est immédiat et utile. Ça ne veut pas dire que Dieu ne connaît pas la réponse. Parce que ailleurs, lorsque les musulmans avaient le sens pratique, elle a répondu d'une façon asymptotique, approximative, justement sur ce phénomène-là. En disant la shamsulayn barilah antadirah al-qamar, en décrivant que le soleil, la lune, les deux sont dans un orbite. Ils ne peuvent pas se confondre.
Donc il a décrit un phénomène complexe avec un vocabulaire ambivalent accessible à l'entendement des Arabes de l'époque. Par contre, il y a des questions auxquelles il n'a répondu ni directement ni indirectement. Quand on lui pose la question, on te pose la question au sujet de l'esprit. L'esprit, a-t-il répondu, relève de l'ordre et du mystère de Dieu, et vous l'avez de source que peu. Il n'a pas répondu. Donc l'islam n'a pas vocation, de par ses textes, à répondre à toutes les questions. Les questions aujourd'hui, supposons que les gens aujourd'hui vont habiter sur la Lune. Comment ils vont faire les cinq prières ? La Qibla, comment ils vont s'orienter ? La fiction d'aujourd'hui est une réalité de demain. Mais c'est aux musulmans de se débrouiller pour trouver la réponse. C'est pas dans le Coran qu'ils vont trouver ça. Aujourd'hui, la technologie a bouleversé complètement notre anthropologie, notre rapport au temps, à l'espace, des choses que méconnaissaient les Arabes de l'époque du prophète, que méconnaissait notre humanité du XXe siècle. Nous sommes entrés dans un monde virtuel, accéléré. Comment ? On va consulter le Coran directement ? Non, il faut des méthodes d'interprétation à partir du Coran pour pouvoir trouver des solutions ou pas. Et ce n'est pas une honte de dire « je ne sais pas ». L'islam n'a pas de réponse à ça. Mais disons, quand on dit « l'islam ne répond pas à cette question », c'est comme une honte. Non, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas dans le vouloir de Dieu de répondre à tout. Vous êtes les plus à même, a dit le prophète, de connaître les affaires de votre bamande, comment la gérer la cité, la démocratie, les techniques de l'économie. Il y a des valeurs morales, bien sûr, mais quand on entre dans la technique, c'est à l'homme de trouver des solutions. Ce n'est pas dans le Coran, c'est dans l'esprit du musulman que se trouve la réponse. C'est trop facile de se débarrasser de sa responsabilité et de son effort intellectuel pour se rabattre et se cacher derrière le Coran et le Sunna. Ce n'est pas rendre un service à l'islam. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.